Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Le Père Noël est passé. Le Père Noël est désabonné. Encore un dernier parfum de Noël avec cette vidéo. Il n'y a pas de catégorie, hein, c'est une vidéo qu'on va, on va la cataloguer dans la catégorie merci. Merci parce que nous allons présenter dans cette vidéo les cadeaux que nos abonnés nous ont fait pour ce Noël 2023. Anniversaire, Noël, c'est génial, franchement, merci à tous. C'est super gentil, merci. On va tout déballer, on va tout vous montrer ici à travers des photos, des vidéos. Bah, vous les montrerez, on les ouvrira ici, on les ouvrira ici. On mettra tout ici. Donc, on va commencer par le premier cadeau. C'est lequel que tu nous amènes là, voilà. Hop. C'est un cadeau. Attends, on va peut-être le faire tourner, hein. Ouais. Génial. Ouais, vous voyez les photos ici à côté. Déjà monté. Tout. Déjà monté. Voilà. Donc le premier cadeau. Merci Guy. Merci Guy qui était venu nous rendre visite à la projection de Noël. À la projection justement de Noël, et c'est à la fin de cette projection qu'il est venu nous offrir des cadeaux à moi, à Andrés. Vraiment génial. Ici, il m'a touché en plein cœur. Pourquoi? Parce que c'est du Star Wars, c'est du retour du Jedi. C'est ma saga préférée. Ouais, c'est ma saga préférée. Ton volume préféré plutôt maintenant. Moi c'est mon préféré, c'est bien entendu l'Empire Contre-Attaque, mais ça fait partie de cette trilogie. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Donc, superbe, génial, vous voyez les photos à côté, hein, donc c'est du Star Wars avec... Chewbacca. Chewbacca. Et comment s'appelaient encore ces robots, Andrés? Le AT-AT, c'est le grand. Le AT-ST et Chewbacca. Alors, inclut la figurine aussi, vous le voyez là sur la vidéo. Vachement bien fait. C'est une collection. Ouais, je me souviens que mon neveu, quand j'étais gamin, moi personnellement, j'en ai pas vraiment fait la collection, mais j'ai offert beaucoup de ces figurines là. De ces figurines, ouais. Je me souviens notamment le grand Falcon, s'il voit. Je l'ai croisé. Il est énorme. Hein. Il est énorme. Énorme. Ouais. Alors t'imagines rajouter tous les petits, tous les autres, faire vraiment. Les X-Wing. Les X-Wing. Ouais. Il avait son et lumière. Son lumière. Ouais. Génial, le Falcon génial. Aussi avec les petits personnages. Je me souviens qu'il jouait beaucoup avec. Ouais. Et là, justement, vu que tu dis que tu l'as offert à ton petit neveu, il était Star Wars, The Vintage Collection Star Wars. Ouais, ouais, carrément, c'est des rééditions. C'est des rééditions. C'est magnifique. Font. Hein. C'est chouette. Et 40e anniversaire. Ouais. Donc, c'est 40e anniversaire du film, je peux. Oui, 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 ouais, du Retour du Jedi. Du Retour du Jedi. Ouais. Non, franchement, génial. C'est, non seulement ça me fait plaisir, mais en plus de ça, ça me fait un petit bond dans le temps, un petit côté nostalgique, parce que qu'est-ce que j'ai offert comme cadeau à mon neveu là-dessus Et en plus, le plus fou, c'est qu'il les garde encore, hein, c'est chouette. Hein. Ah oui, il les a encore. Je lui ai passé le virus de la collection. De la collection, et bon, ben, les petits personnages, j'en suis pas sûr du tout, mais... Le grand Falcon Millennium. Le Falcon Millennium. Il est là. Ouais, ouais, ah, génial, ça. Il l'a encore. Et le X-Wing, je pense que... c'était un cadeau que j'avais fait pour mon fils, mais le grand, et je pense que les enfants l'ont encore dans leur chambre. Donc voilà, tu as vraiment tapé dans le mille, Guy. Tu m'as vraiment touché de plein cœur, parce que non seulement ça fait référence directement à mon enfance, mon adolescence, mais aussi à ma famille et à ces merveilleux cadeaux de Saint-Nicolas et de Noël qu'il recevait. Donc ça m'a vraiment bien touché. Vous voyez ici sur le côté, vous avez vu les photos de ce que ça donne monter. On va passer toujours avec Guy qui n'a pas oublié Andrés. Le cadeau, oui. Et qui t'a offert Bah écoutez, moi j'ai reçu deux cadeaux, un pour Noël, ouais. Et un autre pour mon anniversaire. Ouais, parce que donc, c'est le 6 janvier. C'est le 6 janvier, donc ça sera déjà passé. Ouais, au moment où vous verrez cette vidéo, ça sera déjà derrière. Donc un coffret Blu-ray collector, enfin collection de la Ligue des Justiciers, évidemment. Ouais. Il sait que je suis un gros fan. Je lui ai dit qu'on allait voir tout ça ensemble ici, nous. Ouais.
Je vais l'ouvrir. C'est toujours cellophané. Évidemment, je vais lui dire ce que j'en pense. Moi, j'en pense. Ah non, ça, je croyais que tu allais finir aux urgences avec une phalange en moins, Un alors. doigt, moi. Non, non. Et Game of Et Thrones aussi. l'œuvre de Game of Thrones, oui, mais On on va le va. faire tourner ici, tiens, Game of Ouais, Thrones. mets-le là déjà. Mais Il est beau, celui-là, hein? il était. Tu Alors, sais qu'il y en a hop. un qui le voulait, là, hein? Qui? Ah, ouais. Ah oui, il y en avait un. Il y en avait un qui était dans la Alors salle. ici. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Ben, en même Alors temps, on nous fait un peu avons. de collector, hein? Ouais, c'est génial. Il sait que Et des... je suis fan de. T'as quand même quatre films là-dessus. Ah, mais 5, non, mais 4. c'est en animation. En animation, ouais. Ah, Ouais. voilà. Et il sait que j'adore les DC. T'aimes bien Surtout ça? Superman, surtout Batman et Superman. Ouais. Et là, carrément, tu as quatre films dessus, des longs métrages, quoi. C'est génial. De chez la Voilà. Warner, évidemment. Ouais, chouette. Ouais, génial. Ouais. Belle petite sérigraphie, Injustice, noir et blanc. ouais. Justice League Dark. Ouais. Apocalypse War. Justice League Fatal Five. Et Justice League War World. Génial, Génial. génial, j'adore, j'adore. Vous verrez tout En grand tantôt. Donc, quatre en films grand tantôt. d'animation, j'adore, j'adore. Et c'est des. C'est, enfin, j'ai déjà entendu parler de deux de ces deux-là. Et c'est de chouette. J'aurais préféré qu'ils adoptent ça en film. Hein. Moi, je vais l'ouvrir parce Ouais. que je l'ai déjà vu. Ouais. Il l'avait ouvert déjà. Un peu. Ouais. Chouette. Tiens, tu sais, Attends, ouais, l'autre que je ne peux foutre pas tomber sans vas-y. l'air. Attends, tu le tiens. Ouais, je le tiens. Voilà, il est là. Voilà. Qu'est-ce que ça nous donne là? Alors ici, hop. Ah, il est bien beau, hein? Oh, ouais. Nous avons une petite base. Enfin, Ouais. une petite base. Tiens. Par contre, ça, je vais enlever parce que ça va gêner, je Ouais, pense. ça va gêner ça. Faut Non, pas, ça faut va, ça pas. va. Hop. Et. Le Fallon, évidemment, moi je ne suis pas la référence. Hein. Game of Thrones, si vous suivez un peu la chaîne, j'ai même pas vu le générique. Il est beau. Non, mais il est beau. Ah, il est beau. Il est très qualitatif. Il a son petit Il a poids. son petit poids, il est magnifique. Hein. Ouais. Donc si on le pose ici, on va Ouais. voir ce que ça donne. Oh, tu sais même mettre, André, si je serais à ta place, un petit socle un peu Allez. personnalisé de la Ouais, série. de la série, voir si on Ouais. trouve. Il est vraiment bien beau. Hein. Pose-le dessus, voir ce que ça donne. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le poser? Ouais. Ouais. Ou de l'autre côté, attends, je vais voir. Non, je crois que c'est comme ça. Ouais. On va t'aller un comme ça. Ouais. C'est comme ça? Ouais. Bon, en tout cas, ouais, c'est bien stable. Hein. Ouais. Super, Un bel franchement. ogreuf de dragon. Très, 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 très beau, très, très beau. Tu vois là, les écailles. Donc, à ce qui paraît. Enfin, à ce qui. Et le dragon qui sommeille à l'intérieur. Le dragon qui dort à l'intérieur. Génial. Donc, il m'a dit qu'il en avait. Il en a trois. Donc, puisqu'il y a trois dragons dans la série. Ah ouais. Donc, et lui, c'est le dragon Drogon, c'est le rouge, le plus méchant de tous les trois. Ouais. Donc, À choisir, tu aurais choisi celui-là merci. aussi. Bah oui, Ah, c'est celui-là. chouette. Oui, Voilà. Donc, c'est. il a bien Il a choisi. bien tilté, comme on dit. Et toi qui as vu La série. la série, Ouais, c'est. Ouais, c'est bien c'est fait. ouais, Ici, une ce belle. côté en dessous. Oui, en fait, c'est dans la série, on dirait des pierres, en fait. C'est tout moche. Mais à un moment donné, ils le mettent dans le feu et tout. Enfin, Oh, tu mettais un beau petit light-up en un light dessous. rouge ou un truc du Rouge, genre, ouais. ouais, ça donnerait bien, quoi. Guy, André te fera un chouette truc, il t'enverra une photo quand il l'aura exposé. Ouais. Ouais. Donc, surtout que j'ai un cadre Game of Thrones. Enfin, voilà. Ouais. Je lui ferai la petite dédicace Ouais. sur le Facebook. Il va lui faire un petit En tout cas, je suis emplacement. très très content, oui. Ouais. Tiens, Waouh. je te le mets là parce qu'on a besoin De de place. place Merci Guy. pour la Je suis très suite. très content et. Elle est bien, Il fait hein, son poids, il est franchement. Ouais. magnifique, C'est hein. pas du plastique, Non, franchement. non, 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 c'est de la résine, les Ouais. amis. Très 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 belle pièce. Attention. Non, c'est de sens. Hop, hop. Ok. On va passer maintenant Attends, attends. à notre ami Thierry. Ouais, Thierry qui est venu nous rendre également visite à notre projection De Noël. d'Anastasia de Ouais. Noël et qui n'est pas venu les mains vides. Un cadeau, franchement, à moi qui me touche beaucoup. Vous me direz, c'est du par cœur. Non, mais c'est vrai, c'est génial parce que je vois que.
que vous regardez beaucoup nos vidéos, et ce qui est encore mieux, nos anciennes vidéos. On avait fait une vidéo sur Planète Hollywood, on avait voyagé. On avait fait le trajet. On a bougé. Ouais, jusqu'à Paris, juste avant la fermeture d'un des derniers Planète Hollywood, en tout cas ici en Europe. Et bon, dans cette vidéo, c'était l'occasion pour nous de souper une dernière fois pour moi et Andrés, de faire la connaissance avec le restaurant qui faisait bien plus qu'un clin d'œil au monde du cinéma. Okay. Et dans cette vidéo, on peut même vous laisser une petite notification ici. Allez jeter un coup d'œil dans cette vidéo. Je revenais sur les grands moments que j'ai passés dans ce restaurant avant même d'avoir des enfants. Comment j'ai connu ce restaurant justement à Disneyland Paris, et franchement j'ai vraiment adoré. Et voilà que Thierry, qui a vu cette vidéo, arrive et nous offre, nous donne, se sépare, c'est encore plus touchant parce que il a gardé ça pendant beaucoup d'années, je suppose, 20-30 ans peut-être, Je sais pas, mais il nous a dit que il a fait le tour du monde et il allait partout où il y avait un planète Hollywood. Il rentrait dedans. C'était comme moi et plus. Et il me disait, moi aussi, chaque fois que je vais dans une ville, je vais ou au Hard Rock Café ou au Planète Hollywood. Ouais. Et là, évidemment, il a eu la bonne idée de se procurer le menu. Il m'a offert pour moi le menu de Las Vegas avec le petit set de table qui venait avec. On vous montrera les photos après, tout ça en grand. Et Andrés, celui de Rome. Celui de Rome, génial. Attendez, franchement. Hop, on vous l'ouvre comme ça, c'est génial, regardez. Ah oui, le voyage. C'est vraiment génial. Vraiment superbe. Ça me touche beaucoup parce que, franchement, le Planète Hollywood, pour moi et même des amis à qui j'ai fait découvrir l'endroit, le dernier en date, Andrés, se reconnaîtront. Et c'est génial parce que c'est un objet, quelque part, qu'il a gardé personnellement. Oui, oui. Et venir nous l'offrir, c'est carrément une belle preuve, j'ai envie de dire, d'amour. Se séparer d'un objet qu'il a gardé précieusement, et mon Dieu, qu'il est soigneux, parce que franchement, il est tout nouveau. Oui, non, il n'y a rien à dire. Ça va directement dans un cadre, j'ai déjà trouvé le cadre et tout qui va avec. Ouais. Mais comme ça, en poster, quoi. Ouais, ouvert, génial. Quoi. C'est génial. C'est top. Sache, Thierry, que ça nous touche énormément, aussi bien à Andrés qu'à moi, et qu'on gardera ça précieusement. Le dessous de table avec les acteurs. Hors de question que je mette une assiette dessus. Oui, non, vous allez tout voir en grand. Enfin, je ferai un montage vidéo à la fin. En fin de vidéo, vous allez tout voir en grand. On va faire un bon montage. Magnifique, vous savez pas. Merci Thierry. On a vraiment beaucoup aimé, mais encore plus que le cadeau, c'est ta présence. D'être venu nous voir. C'est vrai que de temps en temps, et c'est normal, il a une vie privée, il a une vie professionnelle, Isap, mais le plus beau cadeau que tu nous fais, c'est... C'est de venir nous voir de nous voir quand tu peux. C'est ça. Ouais. Encore merci Thierry, et je te rappelle à travers cette vidéo, on va pas spoiler, parce qu'on n'a pas donné, mais on t'attend pour la fratrie, pour la grande réunion. Il y a deux amis ici que j'ai en smoking qui entendent... Le principal, leur ami. Donc, à très bientôt, Thierry. À très bientôt. Et merci encore. Peut-être déjà à la prochaine projection qui arrive très bientôt. Rien, Et ce n'est pas tout. Voilà que la poste arrive avec un paquet d'un de vous. De quelqu'un. Du Joff. Notre ami Joff. Vinyl Movie World. Alors, dès que je l'ai reçu, Joff, parce que lui n'est pas encore venu, mais 2024 sera l'année. Oui. Lui n'est pas encore venu, il m'a envoyé ce cadeau pour moi et Andrés. Et je lui ai directement téléphoné, mais je dis hors de question que je l'ouvre sans mon acolyte. Mais mon acolyte était parti en tourisme en Italie, donc j'ai attendu son retour, et donc comme promis, on l'ouvre enfin. Je ne sais vraiment pas c'est quoi, Andrés. Moi, tu veux que je l'ouvre peut-être, parce que tu vas te couper. Non, je ne vais pas me couper, moi. Oula, fais un coup sec. Ouais. Moi, vous voyez que c'est pas du chiquet. il m'a bien attendu. Bon, on y arrive. C'est fait. Alors, moi j'avais parié pour une bain choise.
Les Binchoises. Voilà, une petite liqueur du pays de chez... Ah oui, il nous avait un peu parlé. Il m'a dit que ce n'est pas ça. Donc, comment ça, c'est pas ça? Non. Moi, tu m'as spoilé, tu as fait des faux espoirs. Voilà, et je lui ai dit, en tout cas, si c'est une cervoise ou si c'est une petite liqueur, on l'ouvrira pour le prochain live. Et on le boira le prochain live avec... Bien sûr. Alors, on va voir maintenant c'est quoi. Le moment de vérité. Tu vois, maintenant qu'il nous a fait une blague, c'est bien son genre. Hein. oui. Et on reçoit un pins. Non, parce que il a son poids, le collector. Hein. Le collector, je dis. Ah, on y est. La boîte. Attention, c'est fragile en verre. C'est une bouteille. La Binchoise. Non. C'est une bouteille. C'est pour le prochain live. Attention, Andrés. Oui, mais c'est quoi? C'est du champagne. Non, c'est pas du champagne, si. Ah, si. C'est du champagne? Oui. Je vois un beau bouchon. Ouh là là. Ah, Scott Binchoise. C'est quoi? C'est bien la Binchoise. La Binchoise, c'est ça? Scott, ouais, non. Mais c'est quoi cette bouteille, Hélène? Elle est énorme, elle est surtout très, 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 très belle. Alors, j'ai cru que c'était une bouteille de champagne, moi, à un moment donné. Je t'aurais contacté d'ici là. Je te contacterai, bien sûr. Avant. Avant, au moment où tu auras vu cette vidéo, on aura déjà pris toutes les bonnes dispositions. L'idéal pour le boire, le verre, température. Je te promets, prochain live, donc le 27 ou le 28, je pense. Oui. J'ai pas mon téléphone. On sablera ça avec toi. Je vais déjà l'arranger précieusement pour le frigo, mais avant ça, tu vas la filmer et faire une belle vidéo. Génial, franchement. Moi, personnellement, je sais pas toi, Andrés, mais moi, je ne connaissais pas. Hein. Moi, je connais pas du tout, mais je vois une bouteille, on dirait du champagne. Tu vois une bouteille, tu vas la boire. 10 degrés. Voilà. 10 degrés ou combien? Il commence déjà à paniquer, hein, Geoff. commence à regarder les degrés. Tu la buveras entière avec moi, tu sais. Ouais, 10 degrés. Ouais. Mais elle est énorme, quoi. Oh, moi, je crois que... Elle est belle. Ouais. C'est une blonde, à ce que je vois. Ouais. Le peu que je vois. Ok, je vais le contacter de toute façon. Et on la buvra dans les meilleures dispositions et selon la tradition au prochain live. Voilà, en gros, c'est tout. C'est pas mal, hein? C'est énorme. Voilà, hop! Regardez tout ça. Vous nous avez gâtés, franchement. Mille merci. Mille merci à tout le monde. À tout le monde. À Guy, à Thierry, à Geoff. Ouais, c'est une très belle façon d'enterrer ce Noël 2023. Génial. Vous dire qu'on l'adore. On adore le contact qu'on se crée peu à peu avec le temps. Et franchement, ça nous touche beaucoup, quoi. Oui. On ne s'attendait pas à... Il y a 2-3 ans qu'on a commencé ce délire. Ouais, c'est vrai. On s'était dit, t'imagines, on croise quelqu'un, il nous dit bonjour, et si vous êtes là, c'est encore mieux carrément. On reçoit des cadeaux, ouais. on les reçoit dans notre cinéma, ouais. C'est encore mieux, quoi. Ouais, franchement, si un jour on m'aurait dit, j'ai pas envie de faire ici... Le sentiment, mais franchement, déjà à l'époque, on était super contents avec... Avec un commentaire, un like. Il y a quelqu'un qui a commenté une vidéo. Voilà, franchement, et là, on reçoit des cadeaux et tout. C'est que quelque part, on fait pas les choses trop mal. Et vous êtes génial. Je sais que il y a beaucoup de youtubeurs que je suis dans certaines chaînes qui se plaignent de problèmes avec leur communauté, avec certaines personnes. Je sais que ça finira par nous arriver aussi, mais c'est avec des moments comme ça que ça nous booste, on se dit qu'on fait pas les choses mal, comme on dit, et on crée, on espère, en tout cas on croit, et on fait pour de créer une communauté, on va dire, pas nocif, une chouette communauté. Tu sais ce qui est vraiment chouette? Bienveillante. Tu sais ce qui est vraiment chouette? Dis-moi. C'est qu'ils regardent vraiment nos vidéos. Ah oui. Et même nos anciennes, tu sais, parce que là, évidemment, Star Wars, ça ici, Planète Hollywood, fallait voir la Planète Hollywood. Et ça, cette bouteille, il faut voir nos lives, on est toujours avec un verre à la main. Donc, vous nous connaissez bien. Franchement, mille merci.
c'est tout pour cette vidéo. Ne coupez pas. Hein. Ouais, vous regardez tout après en grand, André, et en large. Andrés va faire les gros plans de tout ça en musique. Notre façon à nous de vous dire merci et de vous donner rendez-vous pour toute cette année 2024 et beaucoup, beaucoup d'années à venir. À venir. Ce genre de détails, de cadeaux nous donne envie d'en faire infiniment plus. Voilà. On va pas demander de liker, on va pas demander parce que vous l'avez déjà fait, ni de vous abonner, vous l'avez déjà fait. On va simplement vous dire encore une fois dans cette vidéo un immense merci. Merci d'être là, merci d'être avec nous, merci de nous suivre dans cette belle aventure. Gros bisous à tous les amis. Tu es prêt pour envoyer le jingle, les photos ? En avant ! En avant. Ciao, ciao !